Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo pendant laquelle je vais interroger les boulangers bio de la ferme de la Corbière à Rousset dans le 49 de façon à savoir un petit peu la façon dont ils travaillent, quelle est leur philosophie, pourquoi ils ont choisi de faire du pain bio, leur métier. Et voilà, ils font aussi de très bonnes pizzas et nous sommes en compagnie de Bérénice aujourd'hui. Bonjour Bérénice. Bonjour. Et de Manuel qui est au fond en train de travailler, vous voyez aussi. Je vais lui poser donc des questions. Déjà Bérénice, je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Bérénice, j'ai 32 ans. Je travaille à la ferme depuis presque 2 ans. J'ai appris avec Benoît Sourisseau qui a créé le fournil. Et maintenant je travaille du coup avec Manuel et Sébastien, mes deux collègues. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé à devenir boulangère et boulangère bio surtout ? Alors, j'étais pâtissière de formation et toute ma carrière, je l'ai fait en pâtisserie. Mon dernier emploi, il était au Mexique, dans un grand hôtel. Et je crois que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gaspillage et pas beaucoup de sens de faire exporter beaucoup de produits de France au Mexique. Et j'avais besoin de... Déjà, je découvrais tout ce qui était fermentation, ça m'intéressait énormément. J'avais envie d'apprendre sur le pain, et en arrivant ici, j'ai découvert la philosophie de la Corbière, qui était de travailler avec des produits locaux, des produits qui avaient du sens pour la terre. Et la découverte du travail qu'avec du levain, ça m'a tout de suite intéressée. Donc j'avais envie de me former avec eux, avec cet esprit-là, et voilà. D'accord, merci Bérénice. Et toi Manuel, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Est-ce que tu peux prendre du temps dans ton travail pour nous causer et nous dire qu'est-ce qui t'a décidé à devenir boulanger et boulanger bio particulièrement ? Alors moi j'ai plutôt un cursus scientifique, donc j'ai fait des études en mathématiques. D'accord. À la suite de quoi je me retrouvais pas vraiment en fait dans ce milieu-là. Et j'ai fait pas mal de volontariat, donc plutôt des métiers concrets, manuels. Et donc j'ai eu l'occasion de découvrir le métier de paysan boulanger un peu par hasard. Et voilà comment je suis arrivé dans le milieu en fait. Et qu'est-ce qui t'a... T'aurais pu devenir boulanger tout court. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du bio justement C'était une recherche de sens. Ouais. J'étais quand même attiré par l'écologie. Et donc je voulais que mon métier ait du sens en fait. Et donc ouais. Je trouvais que paysan boulanger c'est vraiment quelque chose... de concret où on maîtrise le processus de A à Z, ouais. C'est assez riche comme métier. Ouais. Ouais. D'accord, on va en parler tout à l'heure du processus de A à Z justement parce que on va de la terre à la fourchette avec vous, on part des céréales et puis après on passe par toutes les phases de transformation, donc ça c'est intéressant. Combien vous êtes dans l'équipe ? Du coup on est 3 du côté du fournil, ouais. C'est-à-dire qu'on est 2 temps plein et un temps qui est à 3 quarts, 28 heures semaine. D'accord. Et après on travaille beaucoup en collaboration avec le maraîchage qui nous apporte des légumes, qui nous aide pour certaines raisons et du coup c'est vraiment un travail d'équipe tous ensemble et puis Jérôme qui gère un petit peu plein de choses à côté que nous on n'a pas le temps. D'accord, donc il y a une répartition des rôles à 3 quoi, vraiment sur 3 personnes. Ouais à 3 mais les maraîchers participent beaucoup. D'accord, ok. Et quelle est leur participation aux maraîchers dans l'atelier boulanger ici à la Corbière ? Notamment avec les légumes pour les pizzas. Oui, d'accord. Pour le marché, c'est eux qui gèrent le marché, donc qui vendent ces produits. D'accord. Après, ils nous donnent des coups de main également pour certaines livraisons, parce que nous, en produisant le pain, on n'a pas toujours le temps d'aller super vite dans tous les endroits, donc ils vont livrer pour nous dans quelques endroits. Et puis sur la terre aussi, il y en a un qui se débrouille très très bien pour conduire certains tracteurs que nous on ne sait pas conduire. Ah oui, d'accord. Du coup, ils nous transportent du bois. Enfin vraiment, c'est un travail d'équipe. Et ça, c'est un truc que j'aime à la Corbière, c'est le fait que, qu'on se complète bien, quoi. Oui. Ça va ensemble. Oui, il n'y a pas deux équipes qui travaillent dans leur coin. Il y a des équipes qui sont reliées entre elles pour certaines tâches qui sont nécessaires à mettre en commun, en fait. Ouais. Pour vous mutualiser, quoi. Oui, oui. Et puis, ils nous apportent beaucoup parce qu'ils connaissent vachement la terre. Donc ça apporte aussi au niveau des céréales pour savoir ouais. Comment bien prendre soin des terres. Comment vous travaillez ici ? C'est quoi les processus ? Quel levain vous utilisez ? Je crois que vous utilisez du levain bio. Alors ça commence à sentir bon, je vous le dis, les spectateurs, parce que là, les pizzas sortent du four à bois. Et c'est quelque chose de terrible. Travailler dans une ambiance olfactive comme celle-là, ça donne trop faim.
Voilà, fin de la parenthèse, je te laisse la parole. Du coup, on cherche à faire un pain qui soit le plus digeste possible. Donc on travaille avec avec du blé. On produit en partie parce qu'on n'est pas encore autonome à 100% pour produire tout le blé qu'on a besoin. Donc on choisit en général des blés anciens qu'on trouve intéressants au niveau digestif. Après, bon, le détail, il faudrait... Oui. Ça prend du temps d'expliquer tout ça. Oui, oui. Mais on travaille aussi avec des blés un petit peu plus modernes qui sont d'entre-deux-guerres, qui sont spécialement pour la bio, qui sont assez pratiques, qui ont un rendement un petit peu plus fort que les blés anciens qui sont un peu plus délicats. Et comme on manque de terre, on essaye de faire une association des deux. Mais du coup, on mélange les deux et ça apporte... Ça permet à notre pain d'avoir deux qualités différentes, c'est-à-dire bien digeste et en même temps d'avoir un beau pain qui s'exprime bien. À côté de ça, on fait un pétrissage lent. Donc une fois qu'on a notre... Ah oui, on fait notre propre farine. Oui, oui, vous avez un moulin. Exactement, donc ce moulin, ça nous permet d'avoir une farine fraîche qu'on utilise dans la semaine, ce qui permet de garder tous les nutriments qu'on a normalement dans le blé. Après, quand on fait la pâte, on fait un pétrissage lent qui permet de faire un réseau glutineux qui n'est pas trop dense et qui facilite la digestion. Donc c'est-à-dire qu'on met en première vitesse et on laisse reposer la pâte. On la laisse reposer entre 24 et 48 heures, ce qui permet une première digestion des gluten et du coup c'est meilleur pour l'organisme. On travaille du coup avec 100% de levain. Et ce levain, il nous vient du coup de Benoît, qui était celui qui a créé avec Jérôme le fournil de la Ferrière. Et nous, on l'entretient quotidiennement pour garder un levain qui est vivant et qui donne le goût. D'accord. Et moi, ce que je comprends là-dedans, tu m'arrêtes si c'est faux, mais ça veut dire que les gluten sont là, mais deviennent digestes dans cette méthode-là. C'est ça? C'est ça. Je suis pas scientifique, mais de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a transmis, c'est que un pétrissage lent, ça favorise l'assimilation du gluten plus facilement. Une couche lente, c'est la même chose. Et le fait qu'on prenne le temps de faire ce pain, que ce soit pas intensif, ça fait un réseau glutineux moins dense et du coup plus digeste. Digeste et meilleur. D'accord. Pour l'organisme. Et puis en plus, vous avez à la base un blé donc ancien, comme tu disais, qui a moins de taux de gluten que les variétés modernes. Exactement. Donc les deux additionnés font que, bien qu'il y ait du gluten, ça rend le pain plus digeste, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça l'idée. Ouais, d'accord. Et en fait, souvent les gens, ils digèrent pas le gluten, pas vraiment, c'est pas le gluten le problème, c'est souvent parce que c'est des blés qui ont subi des pesticides, enfin qui ont été traités. Oui. Et du coup, tout ça, ça peut avoir des conséquences. Et souvent aussi, c'est le procédé. Ça, on n'en parle pas assez, mais tout ce qui est pétrissage intensif, c'est souvent plus difficile. Et aussi, on utilise des farines, donc des farines T80 ou des farines complètes pour faire notre pain, pour que ce soit... Aussi, on s'intéresse dernièrement au sarrasin, qui a un taux de gluten faible. On travaille avec du seigle également et du petit épeautre. Sont des farines qui ont un taux de gluten, le petit épeautre moins fort que le blé. Oui, et j'ai eu l'occasion ici de goûter du pain que vous appelez métaille. Le métaille. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, Emmanuel, peut-être? Le pain métaille, en fait, c'est... Approche-toi de... Ouais. Merci. Du coup, c'est moitié Maïs. Seigle et moitié blé. Ouais. Originellement, ça vient du fait qu'on moissonnait des champs qui étaient semés de manière 50-50. Et donc après, on triait pas, on faisait un pain métaille. Voilà. D'accord, donc ça veut dire mixte en fait. C'est ça, ouais. De céréales. De céréales, entre le métaille et entre le seigle et le blé. Pardon. D'accord. Ouais. Est-ce que ça rend le pain plus digeste ou non, pas forcément. Pas ça. Forcément, non, le seigle n'est pas forcément plus digeste que le. D'accord. Ouais. Ok. C'est plus la méthode après dont parlait Bérénice qui permet de rendre plus digeste ouais, les céréales. C'est ça. Les sélections d'abord, bien sûr, des blés, hein, des. Seigle. Ouais. Et puis oui, le processus après de fabrication. Une journée type de boulange ici, si toutefois il y en a une? Eh ben non, on n'a pas de journée type parce que chaque jour est différent. Après, on a une routine dans notre semaine, mais le lundi n'a rien à voir avec le jeudi et le vendredi n'a rien à voir avec le lundi. Parce que on prend souvent un jour pour faire la préparation des pâtes. Par exemple, le lundi, quelqu'un va arriver, va commencer à 3h du matin. Pour lancer la première fournée, donc il façonne, il allume le four en même temps parce qu'il faut savoir gérer le four à bois,
qui est quand même un outil essentiel dans ce fournil parce que ça donne du caractère au pain et je pense que le pain ne serait pas comme il est aujourd'hui si on ne travaillait pas avec ce four. Alors pour les spectateurs, excuse-moi de te couper Bérénice, il est au fond le four à bois depuis tout à l'heure, vous avez dû voir sortir quelques pizzas en arrière-fond, bah voilà. Donc ça c'est le four à bois où Emmanuel là-bas avec sa palette, je ne sais pas comment on appelle ça. Une pelle, voilà. Et du coup, une fois qu'il a enfourné ses pains et qu'il les a sortis du four, après il va souvent en livraison. Et là, il prépare son levain pour le lendemain. Et sa journée s'arrête. Le lendemain, on prépare des pâtes, on va couper du bois, on prépare tout pour que la journée suivante, elle soit plus simple et que ça s'enchaîne bien. Pareil. Fourner très tôt à 3h du matin et après là il se trouve qu'on a le marché donc on fait des pizzas encore derrière après aujourd'hui on a eu deux fournées par exemple parce qu'on a une fournée du matin qu'on va livrer très tôt, il faut que les magasins soient livrés avant 11h30 donc on a plusieurs donc plusieurs magasins. Y êtes depuis quelle heure le matin quand vous livrez à 11h30, ça veut dire que vous avez fait le pain depuis 3h, en fait à 3h du matin on a commencé, d'accord, ouais. Okay. Et il est sorti du four à peu près vers 8h30 dans cette d'accord, eaux-là. Ok. On part en livraison du coup dans ces eaux-là. Là, s'enchaîne une deuxième fournée le mercredi et le vendredi, on fait quelque chose comme ça. D'accord. Et sinon, on intercale souvent fournée et le lendemain, livre pâte. D'accord. Et pâte, fournée. Comme ça, elles ont toujours le temps de bien se reposer. Les fameuses 24 heures dont tu parlais tout à l'heure pour rendre le gluten plus assimilable. Exactement. Manuel, est-ce que tu peux nous dire quelle quantité de pain vous produisez sur une saison, sur un an, dans cette ferme? D'accord. On produit en général à peu près 500 kg de pâtes par semaine. Oui. Donc du coup, on enlève un 20%, ça fait à peu près 420 kg de pain par semaine. Oui. Et donc voilà, par à peu près 50 semaines, donc on est dans les 2 tonnes, tonnes et quelques. Ah oui, moi ça me paraît énorme. Oui, même moi quand je le dis, ça fait beaucoup. Ouais, c'est énorme, ça veut dire que vous avez brassé tout ça, même plus lourd, puisqu'il y a de la déperdition entre la pâte et le pain, ça veut dire que vous avez brassé tout ça, ouais, du coup, ça manuellement quasi. Ouais. Quoi. Oui, porter, il faut c'est énorme, quoi. Porter des sacs de farine. Et, quelle structure l'activité boulangerie livre-t-elle chaque semaine ou à l'année, parce qu'il y a peut-être des choses ponctuelles aussi, je ne sais pas. Alors principalement, on va livrer tout ce qui est les magasins bio. Oui. Donc du style le Biocoop. D'accord. Le magasin Braque, par exemple sur Cholet, il y a monsieur et madame Braque. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Donc voilà, ça nous occupe déjà un petit peu. Mm-hmm. On livre aussi des AMAP. Oui. Par exemple à Saint-Pierre ou aussi à Cholet. D'accord. Donc voilà, on essaie aussi de développer le segment pour livrer les collectivités, donc oui. C'est-à-dire les cantines pour l'instant. J'ai appris que la MFR de la Romagne, où j'habite, faisait partie des cantines qui passent au bio. On leur livre des légumes et du pain. Ouais, c'était la bonne surprise, je ne savais pas du tout. Non, c'est bien, c'est génial. Chouette, c'est chouette. Et donc on va essayer de développer ce segment-là aussi parce que je pense que c'est important de quand même apporter des bons produits aussi dans les écoles et l'éducation alimentaire et comment c'est bonheur. Ouais, l'éducation du goût et c'est. Ouais. C'est juste énorme la différence entre des produits bio et non bio, donc c'est important. Alors quelles sont vos perspectives pour l'avenir ici au niveau de l'activité boulangerie? Est-ce que vous avez des projets d'avenir, des perspectives, des objectifs, des choses dont vous avez envie de parler en développement quoi? Alors je pense qu'un point important, on aimerait bien atteindre l'autonomie en blé. D'accord. C'est-à-dire vraiment être autonome, produire tout notre blé suffisant pour notre année, ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Ça, c'est un point. Il faudrait aussi améliorer un petit peu le fournil. D'accord. Parce que c'est pas encore optimal, quoi. D'accord. On est un petit peu à l'étroit, qu'on est à trois à travailler en même temps. Ouais. Il y a ça. On est passé également de 2 temps pleins là, à 2,5. Oui. Pourquoi pas passer à 3 temps pleins à l'avenir aussi. Donc il va falloir... donc il y a la création d'emplois en perspective aussi. Oui, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est des points importants. Alors, il y a des projets question, également. J'ai une question, là, on parlait tout à l'heure de la répartition des tâches. Là, vous avez absolument besoin d'un troisième boulanger ou ce serait quelqu'un qui ferait une activité annexe mais dont vous avez besoin, par exemple les livraisons ou des choses comme ça. C'est déjà un petit peu le cas actuellement. Je pense que s'il n'y avait que le pain à faire, il n'y aurait pas besoin d'être 3 ou 2,5. D'accord. Là, on est 2,5, voilà. Puisque 2 personnes suffisent. Oui. Le problème, c'est qu'il faut livrer. Et ça, plus des tâches ponctuelles qui s'ajoutent, plus les vacances qu'il faut remplacer.
Et donc en fait on arrive à 2 personnes, ça suffit pas. Oui, d'accord. Et donc voilà, pour l'instant 2,5 c'est bien. Qui sait, si on passera à 3, peut-être ce sera. D'accord. C'est-à-dire que là pour l'instant, il faut quelqu'un plutôt de polyvalent qui sache aussi pétrir, faire des choses, ouais. En plus des livraisons, et puis après vous tournez à. C'est pour ça, d'accord. J'occupe plus ce rôle-là pour l'instant, ça me convient. Ouais. Et voilà. D'accord. Donc alors, perspective d'emploi, perspective d'autonomie, d'autres. L'autonomie énergétique aussi, bon c'est l'autonomie, mais bon, on aimerait bien aussi peut-être, je sais pas, même en bois, on l'achète ailleurs. Oui. Et voilà, hein, tous les intrants, idéalement, ce serait bien qu'on les développe à la ferme. D'accord. Voilà. Ok, là quand tu dis intrants, c'est pas les produits chimiques, hein, on est d'accord. Alors, on est en bio, hein, je rappelle aux gens qui vont regarder qu'on n'est pas sur les intrants chimiques. Et puis après, ce serait travailler encore plus avec tout ce qui est encore plus local. On aimerait, parce que là, des fois, on va livrer jusqu'à Chalonne, si on trouve un petit peu loin. Mais c'est pour avoir, après, il y a toujours cet équilibre où il faut qu'on ait les revenus pour pouvoir rémunérer ces 3 emplois. Ouais. On sait qu'il y a du monde autour, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que ce soit plus proche de nous. Ça aurait encore plus de sens de pouvoir travailler avec les gens qui habitent vraiment à proximité. D'accord. Oui. Donc on est toujours sur de l'esprit local, circuit court, le maximum, ouais, c'est maximum, notre maximum. C'est on puisse même livrer les gens chez eux à vélo un jour. Ça c'est dans les grands rêves qu'on a. Mais c'est sûr que c'est un peu contre-intuitif de devoir livrer loin, quoi. Bon bah je vous remercie Bérénice et Emmanuel parce que moi j'ai fini mes questions. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que vous auriez envie d'aborder?